Pochilette. Waka, première catégorie. Pochilette, tu parles de la télévision. Je m'interroge. Espèce de conne. Tu n'as jamais rien fait dans ta vie. Tu n'as jamais rien fait dans ta vie. Tu es une escrotte. Tu es une femme méchante. Tu es une femme sorcière. Tu es machiavélique. Laisse mon frère. Tu n'as pas de sentiment pour personne. Hier, tu me vénérais. Ça, c'est clair. Tu me faisais des éloges. Tu n'as pas honte. Pochilette, je t'ai dit que je vais te slasher dans TikTok. Pourquoi tu as mon compte avec 350 personnes en ligne? Je m'interroge. Même toi qui es dans TikTok depuis, tu n'as pas fait 350 personnes en 5 minutes. Ça, c'est clair. Je t'ai montré que je suis une star. Je vais te clasher dans TikTok. Je vais raconter notre histoire dans TikTok. Ah bon? Et pourquoi? C'est Raven Biaï qui m'a mêlé vers moi. Ça, c'est clair. Je t'ai jamais contacté. Ça, c'est clair. Raven m'a dit que elle est cette fille. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu te plaignais que tes soeurs ne t'aident pas. Ça, c'est clair. Les problèmes ne t'encouragent pas. Tu criais chaque fois dans tes têtes. Ça, c'est clair. Raven m'a dit non, Lolo. Elle est pas, même si elle est dessus de demain, donne une chance à cette fille. J'ai dit non, mon cœur, s'il va me tuer un jour. Oh, maman. J'ai accepté de tout répondre. Ça, c'est clair. Tu m'as dit que tu m'as donné la visibilité. Je m'interroge. Ton direct, ton émission, depuis 6 mois, c'est 37 000 vues. De quelle visibilité tu parles? Je m'interroge. Et ton couple d'homme. Ton couple d'homme vit sa belle. Il me parle des concepts. Amen, Binda. Amen, Syphilis, ferme ta gueule. Ferme ton clapet, ferme ton trou. Laisse mon frère. Tu es Géa, qui a fait le fait lavage de ses bons à une jeune fille. Tu es la reine d'une communauté. Je n'ai pas peur de toi. J'ai appelé Banga Diaspora, j'ai appelé Roberto, j'ai appelé Bertini. Quand je bagarre les femmes, un énergumen, un idiot vient se mêler. Dis-moi le concept que ta soeur a. Ouvre ta gueule. Et tu me dis le concept que toi-même tu as sur la toile. Espèce de trop, de billets du mal. Tu as mis la règle à mon âme. Je m'interroge. Donc, va tout comme je vois. Ça, c'est clair. Tu vas me faire ça. Je suis une fille balancée, née à Kribi. Ça, c'est clair. Qui a fait la vertue? Oh, ne s'assois pas sur moi. Je vais te montrer que je suis une coriace. Vos histoires de Facebook là, vos classes de caméra là, j'ai fait la bagarre de rue. J'ai fait le clash de rue. Laisse mon frère. J'ai dormi pendant des années à 7h du matin. Pendant des années à 7h du matin. Le jour, la nuit était le jour pour moi. Ne me teste pas. Tu as compris? Je ne suis. Ne m'amène pas tes potes là. Et je vais te dire à ta petite traînée là. Celle qui pue la merde là. Cette petite chienne, cette petite ingrate. Cette artiste qui chante pour s'écouter elle-même. Une artiste qui chante pour s'écouter elle-même. Maman. Tu as trouvé le nom de l'eau qui peut donner la visibilité. Qui peut te faire connaître les réseaux sociaux. Ça c'est clair. Ma chérie, je vais clasher avec vous. Ça c'est clair. Je demande à Rêve de ne plus se brûler parce qu'elle se perd dans le clash. Ça c'est clair. Je vais m'occuper de vous personnellement. Ça c'est clair. Si tu es une femme, montre-moi les clés de ta maison. Ça c'est clair. Tu dis que quoi? Point d'interrogation. Que je dis ton gars. Je m'interroge. Ma chérie, tu as vu mon porte, c'est la racine du gagnant. Ce n'est pas n'importe qui voit mes enfants. Ça c'est clair. Renseigne-toi. J'aime bien souvent rigoler quand il dit qu'il avait Paul, il avait Pierre. C'est l'ironie qu'il fait dans mes yeux. Aucun gars de Paris n'a vu mes fesses en dehors de la tâcheur. Oh, maman. J'ai dit aucun gars de Paris a vu mon en dehors de la tâcheur. Tu parles dans la pente. Tu as vu Stevie? Tu as les hommes courts. Tu as les hommes pour la même taille que toi. Moi, mon style d'homme, à l'exception de mon ex, je n'ai jamais sorti avec un homme qui n'a pas aimé 80. Ça ne m'attire pas. J'aime les hommes grands. J'aime les hommes imposants. En dehors de mon ex, parce qu'il y a quelque chose de particulier, très paternel. Et ça, ça va. J'ai aimé ce côté-là. Tu ne peux pas me parler que vous avez deux enfants et deux pères différents. Chacun de les parents, tu as 40 ans. Je suis ta grande soeur, je suis pas ta mère. Ça, c'est clair. Qu'attends-tu pour te marier? Je m'interroge. Tu es juste star. On m'envoie les copains, on m'envoie votre à l'école. Et tu traînes dans les réseaux sociaux. Je m'interroge. Tu te fais pinard dans la porte de la chapelle, espèce de petite ingrate que tu sois. Tu m'as porté toi? Renard, tu parles de l'esthéticienne, c'est moi qui t'ai amené là-bas. Si on t'a envoyé, je vais vous écraser sur Facebook. Ne tentez même pas de me passer la rage. Laisse mon frère. N'essayez même pas de moi. Regarde ces petits profiteurs qui nous parlent de l'ingrat. Je vous ai fait connaître. Je vous ai donné la visibilité. Je vous ai fait fendre. Aucune ne veut pas me lever la tête devant moi. Je coupe avec la machette. Oh, maman. Vous avez compris? Espèce d'idiote que tu sois. Vous n'êtes pas gentil? La reconnaissance. Je dis que je ne peux jamais insulter Patricia Mel. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je n'ai pas peur d'elle. Parce que je suis reconnaissant des efforts qu'elle a fournis pour ma télévision. Ça, c'est clair. Vous pouvez m'accompagner pour ma télévision. Ce n'est pas parce que je suis reconnaissant. Et même avec mes amis, je me suis trop abstenu par reconnaissance. Elle m'a provoqué, elle m'a tiré. Je vais vous montrer que je le mariage. Ma copine, la Rosita, il m'a donné le mariage. Laisse mon frère. Je suis peut-être plus bambiqué, mais je n'ai pas vécu avec la culture bambiqué. Ça, c'est clair. Pourquoi tu as signé mon compte de TikTok? Je m'interroge. Ton gars a annoncé qu'il va signer mon compte de TikTok. Et il a signé parce qu'il a peur. Laisse mon frère. Je vais monter les Ivoiriens contre toi. Je vais me le aide-moi à détecter avec toi sur TikTok. Je vais te faire aide-moi à détecter. Je vais te faire ça tu aussi pute. Aussi point noir. Aussi saleté. Une femme avec la tête d'une grand-mère coupée, tête et jetée. Oh, maman. Regarde mon visage. Ta mère.
Je suis plus bête que toi, je suis plus propre que toi. Ça c'est clair. Ce n'est pas une homme qui va venir te faire ma cuisine. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je suis une femme, ma mère m'a occupé des valeurs. Tu n'as pas honte d'attacher tes habits dans les sacs poubelles? Je m'interroge. Regarde ma chambre. Bienvenue dans le nouveau local du Café Restaurant Aquanor. Papa est là. Au Café Restaurant Aquanor, c'est la propriété, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le Café Restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais, tels que le macabondolé, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le taro tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le Café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes. Je m'en fous. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35, 1070 Anderlecht, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le Café Restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Quand je parle chez moi, tu vas aller. Tu vas voir de la femme, de la fille de Gaïdo. Oh, il est quelle là-bas, regarde. Regarde ma chambre. Regarde la chambre d'une femme. Regarde ma chambre. Je peux te porter la chambre de ma fille ici, je vais vous montrer son intimité. Regarde mon salon. La maison d'une femme. Et ça, regarde ma cuisine. Maman, j'espère que tu n'as pas fait le désordre là-bas. Regarde ma cuisine. Ma chambre de fesses, regarde. La maison d'une femme, regarde ma poubelle. Regarde, là. Tu peux me parler, une chienne comme ça. Tu parles à qui? Oh, tu vas où? Je m'interroge. Je vais te faire ça dur, sans parler. Tu as réveillé quelque chose en moi. Ouais, ça c'est très bien. Hé, hey, t'as dit, stoppez-moi ça vite, d'accord? Je n'ai plus à ma vous donner une chance. C'est une chef camerounaise. Arrêtez vos pouvoirs ça. Il n'y a pas d'amis à la télé, il n'y a pas de venir dans la télévision. On prend tout le monde. Je n'ai plus donner une chance. Et je savais, j'allais dire à ma soeur que je ne veux pas cette merde là. C'est une fille qui est mal élevée, elle est mal éduquée. Elle m'a dit que non, ouais, pardon. Demande à Julien Zombie. Elle insistait. Je t'ai aidé. Tu dis que je te donnais de l'argent. Je n'étais pas obligé de te donner l'argent. Mais je te donnais 100 euros en espèces et 100 euros en PayPal. Ça fait 200 euros. À ton mec, je te donnais 150 euros pour vous dire merci d'être venu. D'accord? Tu dis que tu as créé une télé, tu ne peux pas avoir mon niveau. Parce que moi, c'est venu naturellement. Je n'ai pas pour moi, c'est venu comme ça, spontané. Tu dis que je n'ai pas les appareils. Même si je n'ai pas les appareils, je les loue. Ce sont mes appareils. Tu es venu, tu étais bluffé. Quand tu as vu le matos, tu as dit waouh, c'est vraiment la télé. Ah oui, c'est pour ça que vous me jalousez. C'est parce que vous voulez savoir les dessous de ma télé. La prochaine fois que je ferai une émission, je vais tourner la caméra, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que vous êtes trop curieuses. Des bandes de jaloux, des incapables. Bandes de gens qui n'ont pas de concept. Ah même Bidamé, si Philippe, jeune concept, ta soeur n'a rien. Ta soeur, Bassa, son concept, c'est de publier des femmes nues. C'est de montrer les fesses des femmes sur la caméra. C'est son concept d'insulter les mères et les enfants des gens. C'est son concept. Mais tu as vendu tout ça. Comme si tu bambes, qu'est-ce que tu t'assois sur moi. Va faire ça aux gens que tu as pu le faire. Je vais te traiter. Tu m'énerves. La terre te tape. Tu comprends quoi? Tu m'énerves. L'attacheur, c'est mon gars. Il te tape et ça ne chauffe pas. Il te tape et ça ne chauffe pas. Tu comprends quoi? Je t'ai dit que, Ahmed Bida, je suis sur toi. J'ai fait appel à Gab avec qui font les tiennes. Je te dis que tu as tellement fait. Je n'ai aucun contact avec toi. Tu m'appelles bordel. Tanga. Elle s'est mêlée comme ça. 20 euros. 15 euros. Elle est moi, ta première catégorie. Tu comprends quoi? Je suis prête parce que je ne vous ai rien fait. Toute la toile avec moi ne vous a rien fait. Chers fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. Ça dit, je vais te donner 5 euros. Jo, 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Ça dit que moi, je vais te donner 10 dollars. Jo, 10 dollars. Quoi? Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. J'ai dit 2 euros, c'est même si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. C'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon.
Ce n'est pas un clash, je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un kikong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un kikong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du Victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur terre chacun a son couloir de réussite. Petit Pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Rodelli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme?